Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du vendredi 13 mars 2015. Avec aujourd'hui une séance qui part sur les mêmes bases que la précédente, hein, puisqu'après euh, une ouverture ici sur le point haut, et eh bien on, sur le point haut, donc. Euh, euh, proche de cette résistance des 5010 points, on est revenu chercher dans un premier temps donc la zone de support euh, de euh, la zone de support de, que, que, que le CAC 40 occupe depuis, euh, depuis hier. Euh, avant de l'enfoncer légèrement, on est venu chercher ici le retracement de Fibonacci à 23,6%. nous l'avions tracé hier en disant que c'était le en cas de cassure et eh bien euh, le signal d'une phase de consolidation plus marquée et finalement dans un premier temps les cours euh, les cours remontent donc d'un point de vue euh, je dirais plus plus global on a pour l'instant rien de dangereux dans le sens où nous avons ici un test d'une zone qui avait précédemment était résistance, hein, on le voit bien ici sur cette, sur, sur cette phase, donc les cours qui viennent ici chercher euh, le, le retracement de Fibonacci, euh, qui n'était pas tracé au moment où, où il était là, mais bon c'était un, un niveau horizontal, et donc c'est cette zone que l'on vient tester, donc on reste ici dans une perspective haussière, puisque nous venons valider une ancienne zone de point haut. Comme une nouvelle zone potentielle de, de points bas. Donc rien, de, rien à, signaler, à signaler pour l'instant. Euh, si on se rapproche légèrement, on peut constater que les cours, donc suite à cette attaque commence à s'inscrire dans un mouvement baissier dans le sens où on a une évolution qui se fait sur des contacts bol inférieurs avec des rebonds techniques qui viennent euh, sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, rien de particulier. Euh, nous avons ici, euh, je dirais, des, des, des indicateurs qui évoluent voilà, entre borne haute, borne basse. Euh, pour l'instant, dans une évolution plutôt neutre même si nous avons ici des, des points hauts qui commencent à, à baisser et qui, qui laissent présager donc d'une possible poursuite du mouvement baissier. Euh, sur le stochastique, rien du tout. Et on a des voilà une, alterna, une alternance de mouvements sur le MACD, qui lui aussi s'oriente plutôt à la baisse, puisque le, le, les, les dernières ondulations ici évoluaient dans la partie basse de cet indicateur. Donc de toute façon, tant que les cours restent ici sous cette zone, nous sommes dans un flux baissier. Pour repasser dans un flux haussier, bon... On pourrait soit, vu le, vu le, le range que nous avons, euh, deux possibilités de, de signal, soit repasser dans un flux haussier très court terme. Et dans ce cas-là, on viendra valider un contact sur cette bol sup, voire ici la zone des 5010. Par contre, une rupture haussière de cette zone des 5010 nous donnerait un signal haussier, signal haussier de continuité qui serait très dynamique, puisque suite à cette forte phase de hausse qui a été quand même assez violente. Eh bien, nous n'aurions consolidé que sur le retracement des 23,6% avant de confirmer la suite du mouvement. Donc là aussi, encore une fois, en cas de cassure ici des 5010, on a un signal de continuité avec une, euh, une dynamique donc qui reste forte sur ce biais haussier. Si euh, les cours ici venaient à casser cette zone des 4977, le premier objectif, c'est cette zone ici 4949, enfin 4950-57. 57 pour le retracement de Fibonacci à 38,2%, 4950 puisque c'est une zone horizontale qui était euh, qui est une zone horizontale intéressante qui a pas mal été jouée et qui avait été le théâtre ici d'un support très rapide euh, le, le, le 11 euh, juste juste après la première phase de hausse on était revenu chercher ici le, ce, ce petit support avant de remonter et d'inscrire cette zone des 4510. En cas de rupture de cette zone, l'objectif se situerait ensuite dans la zone 50-61-8. Là, le, le, la baisse serait un peu plus marquée avec des risques d'affaiblissement en cas de rupture de cette zone ici des 4922 points. Voilà, pas grand-chose de plus à dire sur cette analyse technique du CAC 40. Hormis le fait que euh, donc cet après-midi, du point de vue des statistiques, donc décalage horaire oblige, euh, des chiffres d'IPP seront dévoilés à 13h30 côté... Euh, Etats-Unis, alors qu'à 15h nous aurons l'indice de confiance des, cons des consommateurs du Michigan euh, qui peuvent là aussi apporter un petit peu de, de, de volatilité et de dynamisme dans l'évolution des indices et aussi des paires de devises, notamment la paire de devises euro-dollar ou toutes celles euh, toutes les devises majeures qui sont liés euh, au euh, dollar. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique euh, du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans un prochain trade. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses du site Boursicoté.com. Bonne séance à tous.